Oui, bonjour madame. Bonjour, c'est pour faire un remboursement, s'il vous plaît. D'accord. Je vois qu'ils ont été utilisés un peu, madame, quand même. Non, bah en fait, c'était un cadeau d'anniversaire pour une amie et elle les a portés 30 minutes, mais en fait, elle aime pas. Ouais. Du coup, c'est pour faire un remboursement. D'accord, 30 minutes, mais ils ont quand même été utilisés, même 30 minutes, madame. On voit qu'ils sont usés. Et en plus. On peut pas faire un remboursement sur ça, madame, vu que ça a été utilisé. C'est dans notre protocole, madame. On peut pas les rendre et tout. Je vais rien faire avec, du coup, je vais me faire un remboursement. Je comprends, madame. Mais... Bon, attendez. Martine! Ouais. Du coup, la cliente veut qu'on rembourse cette paire qu'elle a utilisée 30 minutes. Elle veut un remboursement sur ça. Je lui explique qu'on peut pas par rapport à notre protocole et tout. Mais la cliente. Mais pourquoi tu vas chercher une paire pour comparer? Bref, ma responsable va chercher une paire pour comparer les semelles et tout. Mais ne vous faites pas de fausses idées, madame. On ne vous les reprendra pas, c'est sûr. On ne va pas vous rembourser une paire que vous avez utilisée en boîte de nuit. Ça sent chacal, cousine. Toi, tu es là, tu me ramènes une paire et tout. Tu l'as utilisée, tu n'as pêché aux personnes et tu veux me... Eh, vas-y, reprends ta paire, là. Malade ou quoi? Tu te crois foutre le cœur? Elle croit que c'est des Jordan, elle veut se faire rembourser une paire qui coûte 15 balles. N'importe quoi, elle. Mais ouais, je te jure.